La salle des fêtes de la Chaume proposait durant 3 jours ce week-end un hommage à l'enfant du pays, la chaumoise Odette Rousseau, qui fit carrière dans le music-hall et le cinéma sous le nom de Florel. L'exposition de photos et d'objets personnels a permis de mieux connaître cette vedette des années 30, décédée il y a 40 ans, et révélée par le cinéma parlant naissant à l'époque. Quelques films, comme l'opéra de Katsu de 1930, ont été projetés gratuitement au public venu nombreux. Dans ce film, Florel a un côté pathétique, elle est à la fois belle et à la fois, elle est à la fois avec un visage triste. Il va falloir entrer dans cette atmosphère qui est particulière, qui est vraiment typique, qui est brechtienne, comme on dit. Hein. Et dimanche, c'est Molista, artiste lyrique sablaise, qui a recréé sur la scène de la salle des fêtes une partie du répertoire de Florel. Tu seras toujours mon amour, et je prends en toi comme mon âme suprême. Je te file parfois, mais je reviens en même. Pour beaucoup de découvrir deux beaux talents d'hier et d'aujourd'hui.